Je bouge mon roi. Je regardais pas! Ça casse les couilles. C'est bon. Fallait prendre. Mais je peux pas en fait. Quand ma game de TFT se lance, c'est impossible de se concentrer. On a 2 BF. On peut peut-être partir sur Graves. Et comme vous l'avez vu, le game d'avant c'est perma contesté. On peut store les Astral. Dawnbringer, c'est pas ultra intéressant. Elon Musk est en train de se faire ratio sur Twitter. Non mais Elon Musk, vas-y. Quelqu'un que je respectais avant, mais plus j'en apprends sur lui, plus... Plus je suis triste de lui avoir accordé du respect, genre. Spat Guild, Twitch. Bon, on va pour la Spot Guild. On va slam une Deathblade. On verra ce que ça donne. On verra, je suis assez intéressé de voir les options avec ce genre de start. Je sais pas où je vais, mais... Allez, why not? C'est quand même nul, Senna. Mais on a un Zippy. J'aime bien ce board, mais seulement avec une sèche en plus. Genre là, comme ça... Pas fan. Une Nidas pas de guild, ça va être plus fort. MD, j'ai plus du nombre de satellites que je capte, mais ce mec m'en veut lancer 40 000. C'était une belle partie bien tactique. Ouais, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé cette game d'échecs. J'ai trouvé très chouette. Ça jouait en face.
va sûrement devoir pré-level. C'est quand même très random Senna hein, comme perso. C'est très 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 random. Genre il y a des fights où elle est incroyable, il y a des fights où elle pue du cul. Juste en fonction de où partent ses casts. Parce qu'elle a une barre de mana qui met deux plombes à cast. Et puis après, une fois qu'elle cast, elle a l'attaque speed de Rage Wing. Mais bon, elle a pas d'attaque speed vu que j'ai pas de Rage Wing. Et puis... Enfin bon. C'est comme très random. On a une tire. Qu'est-ce qu'on fait avec une tire? Une auge? C'est quand même claqué au sol, auge. Mais je sais pas si j'ai mieux à faire là dans ce spot. Je crois que ça va être une auge, hein. La auge du cul. Ça va être une auge du cul, les gars. Deathblade auge. Oh, c'est nul. On doit absolument win streak, sinon c'est FF. Kalis? Non, je crois pas. C'est compliqué comme game hein. Ah, j'y crois moyen là. J'ai très envie de rentrer Zippy en même temps. En même temps je peux pas et je le sais. On va juste rentrer un canonnier. Et prier de tomber contre des mecs Peace Week en open. Genre lui. Ah, c'est low comme build. Est-ce que Canonier est mieux ou Dark Fla- ou Rage Wing est mieux? Rage Wing fait un petit peu plus de front. Et je peux faire le palier. Si je gagne, je prends le pari. A priori, c'est win. Sauf si je me fais encore arnaquer par un putain de Vladimir. Ok, c'est bon. Ok, nice. Ok, on streak avec ça. Merci d'avoir light mess pour les 3 mois. Gros vire de l'ombre, enfin je passe le cap et je sub à Solary Karim. Merci mec. Je pense que t'as pris la bonne décision. Tu as fait le nécessaire. Elle veut jouer cette Leona. Hein. Qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit oui, on lui dit non. Moi je lui dis oui s'il y a un Rakan à côté parce que Rage Wing, mais... Sinon ça me paraît compliqué. Hein. Boom. Voli bien. Nul. On peut avoir un vrai truc. Ou un Asus. Sinon un Asus ça peut être cool. Moi je suis chaud de prendre la paire de Leona, mais... J'aime bien faire de l'écho aussi. Oh la vilaine Sunf. Ah du coup la Zipette elle va rentrer. Hein. On va faire une Zippy Sunfire Ionic, j'adore faire ça. Elle a pas dit bonjour, du coup on va lui dire quoi? Oh shit. Oh shit dude. What is this? What is this? Est-ce qu'il y a un Shimmer Scale? Il y a un Shimmer Scale, c'est quoi? C'est Draven Axe. Alors, on aime bien ça Draven Axe. Mais ce que j'aime encore plus c'est gagner des rounds.
Donc on va éviter de griffe le board. C'est lui qui m'avait pris mon premier round, je me souviens de lui. Non! Non! Pitié, mais Senna! Non, c'est trop. En plus, il est resté niveau 5. C'est mon pire cauchemar, ce mec. Oh. J'aime bien component grab bag en vrai. Ici. Je crois que ça va peut-être se jouer sur les dégâts. Hein. Bah on peut Deathblade ZP et Archange Deja, hein. On peut jouer Deja Guild là maintenant. On a un petit problème de frontline, j'ai l'impression. Petit problème de frontline. Il me faut juste une sèche. Aussi Rimir pour les 2 mois. J'aime voir la vie en 4K, moi aussi. Le problème c'est que cet archange, on n'en fait rien pour le moment. Je dis bien pour le moment. Au pire, on aurait pu faire ça. Hein. Je pense que c'était ok. Hein. Ouais, on aurait dû faire ça. Et du coup, on aurait récupéré les golds et on aurait pu prendre la paire de Volibear. Nice. On va prendre Gnar, si jamais on peut peut-être trouver un random Jace. Merci Bdoussoubo pour les 2 ans. Merci beaucoup. Merci Sovat pour les 9 mois. 9 mois d'abonnement. Beaucoup 9 mois. C'est presque 10 fois moins que Inbuto qui a 80 mois. Flex pour quelqu'un d'autre. What the fuck. Et une Xayah Arc. Ça me parle. Et je pense qu'il nous faut de la Furontuline. 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 Ho ho ho. Furontuline. Ah non mais vas-y, faut aller sur foot sérieusement quoi. Ils prennent juste les composants que je veux. Crimp God. More like Cringe God. Pourquoi il a pris un arc? Il avait un gant, c'était une tire pour faire Hoge. Ah. Rigolo ça. Je sais pas si je lui mets la hoge.
trouve qu'avec Dawnbringer, ça va peut-être faire un peu trop de sustain. Merci Kaidus pour les 4 mois d'abonnement, mec. Oh, le board full T1, miam. Mais T1, ils sont en finale des Worlds, mec. Toi, t'as fait quoi dans la vie? Laisse mon board tranquille. Yone overly, bon, y'a pas de réel intérêt. Hein. Après, on peut, hein. Mais bon, franchement, le 4 mirage par rapport au 2, c'est. Il tanque un peu plus, je pense. Oh, il a gagné la game, lui. Boum! À la niche! Au panier! Merci RK pour les 3 mois. Hop là, Twitch 2. Aucune Sejuani n'a été vue dans les rôles. Si vous avez vu une Sejuani, veuillez composer le 110, 310, 83. Est-ce que je peux avoir une Sejuani, please? Mais j'ai trouvé Yone 2 en fait. Gozrot, hein. Oh, le gear upgrade, vous le voyez ou pas? Le gear upgrade qui arrive là. J'ai juré. Mais lui, il me bat à chaque fois avec son Vlad 2 là. Je vais péter un câble. Non, merci Vulcan pour le prime. Gear upgrade. Bam. Allez hop, on n'en parle plus. Je vais quand même roll. Mais j'ai toujours pas de Sejuani. C'est le Vlad 2 de Setsuko, je savais que t'allais parler, mec. Je savais que t'allais dire quelque chose. Meanwhile... Je vous jure, il n'y a aucune sèche dans le pool. Bah voilà.
sera Osh Jace, je pense. Ok, là on est bien. Mais je trouverai jamais Jace. Il y a un bar de ceinture, mais on veut pas une ceinture là, on veut un... Je veux dire, on veut une baguette, mais baguette 1 gold, c'est mort, frère. Je prends un arc, hein, pas le choix. Hein. Je pense qu'on va juste reforge le gant et espérer avoir GS ou Ginzu. Hein. Et dans le cas contraire, c'est un FF. Non, c'est pas un FF, mais bref, il y a mieux à avoir que gant. Même RFC, je prends, ouais. Quoique RFC, je prends pas. La chance que ça soit le bon item, bah, comme j'ai dit, il y avait deux items qui m'intéressaient, quoique même statique en vrai ça m'intéressait, j'aurais juste mis sur le Twitch. Et c'est quoi les chances, tu peux aussi calculer les chances pour voir 0 Sejuani en une game entière dans les rôles naturels et me dire que t'apprends rien. Tu peux les calculer si tu veux, tu peux me dire le chiffre. Mais bon, si tu regardes que les trucs qui vont dans mon sens et pas tous les trucs qui vont contre mon sens. Genre le fait qu'ils soient plusieurs à jouer Shiryu Siphon et que du coup ils ont tous Jace dans leur camp et que je le trouverai jamais. Le fait que l'augment prismatique n'ait pas du tout été en ma faveur. Le fait que je tombe sur le Vlad à chaque fois et que le round se joue à rien du tout et que du coup je streak pas alors que j'ai slam des items de winstreak. Après, si tu veux, on regarde que les trucs qui m'arrangent pas, ou qui m'arrangent quoi. On peut dire que je suis un turbo roller, mais bon, je vais quand même bottom la game, c'est dommage. C'est ici la 4K? C'est ici la 4K, mec. Non, il a pas touché le Aurélien Sol. Ah, je suis vraiment un turbo roller. Ah, j'ai trouvé une BF, ça m'a fait un GS. Mince, je suis vraiment en train d'airoll ma game. Ah, c'est ouf, hein. De la merde, mais on prend, I guess, hein. Est-ce que j'ai le choix? Ouais, j'ai trouvé Sejuani 2. Je suis en train de turbo airroll. Je sais pas si on fait Edge of Night et Karim ou si on met armure BF. Je pense qu'on va faire ça. Osh Jace. Et on va faire ça. Je pense pas jouer Nunu.
Bon, si ça gagne pas, bah c'est unlucky. Hein. Je vois pas comment je fais mieux là. Je trouve qu'Edge of Night c'est un bon item sur Ikarim en vrai. Profite bien de l'attaque speed. Merci Fungi pour les 4 mois. Bon là j'ai juste envie de prendre mon top 4 et go next. Dans ce genre de spot. Après il y a des joueurs de... Ok. Il y a des Jace qui vont revenir dans le pool, non? Il y en a deux out. Il n'y en a que deux out. Je vais faire un roll. Je pense qu'il n'y a aucun monde où on joue Nunu à la place de ce Ikarim. Ce Ikarim est incroyable. Sèche, c'est mieux que Nunu, oui. Elle donne tellement de points de vie à tout le monde. On s'en fout du sustain en vrai. En gros, le 4 Mirage est vraiment fake. C'est très 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 fake. On s'en fout d'avoir un Nunu de merde qui va rien faire du tout. Alors que le Ikarim, là, il m'apporte du CC. Et il va casse plusieurs fois parce qu'il a des items de zinzin. Par contre, je me demande s'il n'y a pas un pivot Xayah après. Genre, si on trouve une Ginzu au Karou, je pense que je vends Daija, je mets Archange Jace, je rentre une Xayah. Et en last, je sais pas ce que je joue, mais genre une Shyvana, ça peut être stylé. Après, peut-être que c'est du troll. Mais je sais pas, je sens que Dawnbringer, c'est pas une version de Mirage intéressante. J'ai pas assez de dégâts en faisant ça. Sinon, un Morello pourrait être cool aussi pour pouvoir appliquer de l'anti-heal dès le début du combat à toute la team avec ce Ikarim. Là, le Ikarim, là, il a reset l'aggro avec le Edge of Night et maintenant il va pouvoir recast. Lui, il a un Edge of Night Radiant, c'est encore plus fort, mais. Ah, je manque de dégâts, hein, ça se voit. Merci à Tuxi pour les 5 mois. Bard. Ouais, Bard est une idée. Il y a un blue buff. Il y a une spat Kava. J'aime bien ce spat cavalier, ça renforce ça. Ça booste bien mon Jace. C'est 4 gold. Je sais pas, je pense qu'on remonte l'Ico et on roll Jace 2. À part ça, c'est que du positionnement. Va sur Jax. Ok, là j'ai un très très bon ult. Ah, il a one shot mon Zippy. J'ai plus d'anti-heal. Non mais c'est chaud, il a one shot mon Zippy. Ah, je manque trop de front là, c'est pas possible. Ok, on a fait top 4. On a fait top 4. C'est tout ce qu'on voulait. J'aurai jamais les gold pour le passer niveau 3. Ça dégoûte. Mais je me demande à quel point. À quel point Bard est plus fort qu'autre chose, genre. Que Jace peut-être. Bard est peut-être plus fort que Jace. Honnêtement, je pense pas, mais...
Ok, ZP à one. Pas one shot, mais à. Ok. Ok, Deathblade Twitch, c'est très bien. Ça va proc le gear upgrade. Peut-être qu'il aura des dégâts maintenant. Jayce apporte beaucoup. Je pense qu'un bard apporterait beaucoup aussi en fait. Miss Daisha 3. Bon, on touche pas à ce board. Je pense pas que ça soit ce plus fort. Regardez tous les points de vie que je perds, c'est ridicule. Après, est-ce que les points de vie sont pas un peu fake? J'ai perdu contre lui. Go essayer. Go essayer comme ça en vrai. J'ai déjà perdu contre lui avec l'autre board. Peut-être qu'avec ce board je gagne. Peut-être que le CC change tout, je sais pas. Et la mana. Après tout à l'heure il avait one shot mon Zippy. Non, je pense que je peux juste pas mathématiquement pas gagner contre ce board. Bon, on a fait top 3. Top 3 c'est bien. CC plus HP effectif, je suis pas tout le temps d'accord avec ça. Parfois la tankiness pure a plus de value. Hier j'avais un bon exemple de cette. Un bon exemple de ça où j'avais un 6 guardian et je l'ai cut. Je gagnais tout le temps le match-up. Ce match-up là je le gagnais littéralement tout le temps et puis bah, je commençais à le perdre.